il y a des ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les trois frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Et là, vous voyez que nous sommes en plein dans le nord du Mali et c'est extrêmement important. Ce qui est aussi très important pour le pétrole et pour le gaz, c'est la possibilité d'avoir des voies de sortie. Par où on va le faire sortir? Eh bien, si on fait du gaz et du pétrole, le plus simple pour les sortir du Mali, c'est de passer par l'Algérie. Donc là, vous avez peut-être des clés de lecture par rapport à d'autres situations. En tout cas, ce qui est trouvé en pétrole et gaz est très important. Et il est assez surprenant de n'en entendre pratiquement jamais parler, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. Pour répondre à la question sur les potentialités en matière de pétrole, donc 2 milliards et demi de barils de pétrole de réserve, et en matière de gaz, à peu près 420 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas négligeable du tout sur la partie malienne, puisqu'il y aura la partie algérienne et la partie mauritanienne. Donc ça donne là quand même un ensemble très important et cela explique qu'il faille, si on est intéressé par la région, qu'il faille s'entendre aussi avec l'Algérie, mais s'entendre également avec la Mauritanie.